Non si apre nel migliore dei modi il Consiglio europeo di oggi, 18 ottobre. Subito un bisticcio verbale tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese François Hollande sulle priorità da affrontare. La Merkel in giornata ha ribadito il bisogno di mettere sotto controllo europeo i bilanci nazionali per evitare la deriva dei paesi meno virtuosi, la nomina prima possibile di un commissario unico per la zona euro e il rafforzamento a questo proposito del Parlamento europeo. Si tratta di punti di cui a Bruxelles si è già discusso, ma che non dovevano essere trattati oggi. Lo ha detto chiaro e tondo François Hollande al suo arrivo al vertice. Oggi si parla solo di Unione Bancaria Europea. Le traité budgétaire, celui qui vient d'être approuvé par la France, n'a pas encore été ratifié par tous les pays. Donc il n'est pas encore venu le temps où nous allons ouvrir un nouveau traité sur le même sujet. Finissons d'abord de ratifier et de mettre en œuvre celui que nous venons de voter en France, approuvé depuis peu en Allemagne, puis après nous verrons quelle autre procédure. Mais pour l'instant, le sujet de ce Conseil européen, c'est l'union bancaire, ce n'est plus l'union budgétaire. Mais qu'il faut l'élargir à d'autres pays pour relancer la construction européenne.